Donc, voilà, c'est la rentrée. Et puisque c'est la rentrée, je reprends le cycle des conférences à la Gazette Café. Après un temps d'arrêt relativement long, n'est-ce pas, où vous m'avez vu disparaître de la chaîne et de ma chaîne YouTube et de mes conférences habituelles, parce que je propose un thème qui me concerne aujourd'hui. Et en général, d'ailleurs, je ne vous l'ai jamais dit, et notamment à mon public aussi qui me suit sur YouTube, mais je propose en général des thèmes qui sont en relation avec ce que j'ai expérimenté dans ma vie ou ce que j'expérimente dans le moment, dans l'actualité du moment. Il y a certaines conférences que j'ai proposées que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube qui n'ont rien à voir avec ma vie ou mes expériences, mais c'est très fréquent que je choisis des thèmes qui me concernent, qui m'interpellent et que je pense qui vous interpellent aussi, puisque c'est des thèmes qui sont communs à nous tous. Hein. Et donc ce soir, je suis vraiment ravie déjà de retrouver mon public, il faut bien le dire, après tant de temps d'arrêt. Et puis je suis touchée de vous partager cette conférence sur la puissance de la vulnérabilité. Qui me concerne beaucoup en ce moment, parce que je suis vraiment touchée par la vulnérabilité, parce que j'ai des problèmes de santé. J'ai fait une newsletter où j'ai dit que j'avais depuis presque 9 mois maintenant des problèmes de troubles digestifs qui s'entretiennent, qui n'en finissent pas. Et donc, et c'est extrêmement douloureux. Des douleurs inouïes, incommensurables, des trucs vraiment... je ne suis jamais passée par une telle machine à laver. Et je vois pas le bout du tunnel, je suis encore dedans, hein, donc je peux pas vous faire une conférence après, hein, c'est-à-dire la sortie du tunnel, tout va bien, coucou, etc. Donc comme je suis dedans, je suis encore dans l'expérience de la vulnérabilité. Et donc c'est à partir de cet endroit-là que je peux vous parler, hein, je peux pas vous parler tellement à partir d'un autre endroit que ce qui me touche vraiment au fond. Dans mes tripes, dans mon cœur, dans mon corps, et moi dans mon mental, du coup, hein, parce que quand on est vraiment en prise avec la vulnérabilité, la fragilité de l'être, hein, eh bien, ça nous mène direct à l'essentiel et à un endroit de l'expérience même, au cœur de l'expérience, je dirais, et beaucoup moins dans quelque chose qui va théoriser ou conceptualiser dans l'abstraction, parce que ça descend dans le corps et dans le cœur. Voilà. Donc je vais pouvoir vous parler à partir de cet endroit-là. Et peut-être ça va donner une note différente à mes prochaines conférences d'ailleurs, puisque je suis quand même sur un profil, mon profil de personnalité est un profil centré mental, le centre est mental, donc j'ai des facilités à conceptualiser les choses, à me distancier, à intellectualiser, à analyser. Mais par contre, ça me donne une difficulté d'être incarné dans un corps, d'aimer le corps, d'être directement en contact avec l'ancrage, la terre et l'enracinement. C'est pas trop mon truc. Et cette maladie, quoi, cette colopathie fonctionnelle que j'ai depuis que je traîne, là, eh ben, elle m'amène à descendre dans le corps de manière obligatoire et subie en plus. Et donc là, c'est pas du tout drôle. Et du coup, je suis concernée par la vulnérabilité et j'avais vraiment envie de vous partager ce que je ressens, ce que je vis, ce que je perçois, donner aussi des... je peux pas vous donner des pistes qui seraient bonnes pour vous, je peux juste vous dire ce qui m'aide et ce qui ne m'aide pas, hein. Je m'occupe beaucoup de moi en ce moment, je fais beaucoup de séances de thérapie pour moi, je vois beaucoup, je fais beaucoup de massages, beaucoup de choses dans le corps, hein, qui me ramènent au corps de manière agréable. Et je pourrais aussi vous dire, ce qui moi m'aide, peut-être ça peut aussi vous aider ou pas. De toute façon, je pense que quand on passe dans des épreuves comme ça, très initiatiques, et on est tous concernés par des épreuves, que ce soit par la maladie, que ce soit par les deuils, les ruptures amoureuses, par des enfants qu'on perd, par des tas de choses comme ça qui sont de l'ordre de l'insoutenable, je pense que c'est des chemins initiatiques, on dit que c'est des chemins de transformation, et qu'on a à apprendre quelque chose de nos épreuves,
mais à les traverser. Et parfois, quand on est dans la traversée, eh bien, c'est compliqué parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Et là, on a beau nous dire, oui, vous allez les trouver après le cadeau, quand vous serez sortis. Alors, ça, c'est des choses qu'on entend souvent. Hein. Vous allez sortir de là, grandi. Il y aura un cadeau à la fin. Alors, des fois, on dit, il est où le cadeau? Je perds mon sens de l'humour tellement que j'ai mal et je souffre, mais je suis dans l'épreuve. Donc voilà. Donc, je vais vous partager ça. Hein. Je suis encore au cœur de l'expérience. Mais voilà, il y a des choses qui me sont, dont j'ai pris conscience tout au long de ce chemin. Et j'ai mis dans le thème la puissance de la vulnérabilité. J'ai mis le mot puissance. C'est pas par hasard. Parce que pour moi, c'est une force de pouvoir être en contact avec sa vulnérabilité et de l'offrir, comme je fais ce soir avec vous. Dans ces moments-là, pour moi, il y a vraiment un chemin et une posture d'humilité, hein, de se rendre compte que bah, dans la plus grande vulnérabilité, on n'est pas grand-chose, voire on est un tout petit bout de une grain de poussière de rien du tout, de chez rien du tout. Et dans ce je ne suis rien ou très peu hein, dans l'univers, je ne suis pas grand chose, eh ben, ça renvoie vraiment quelque chose de l'humilité et de pouvoir l'assumer comme je le fais ou comme d'autres peuvent le faire aussi hein, fait que nous sommes touchés en tant qu'être humain de cœur à cœur par cette posture de l'humilité et de la vulnérabilité, ce qui en fait une force quelque part parce que ça nous rend humains. Ça nous ramène à notre humanité, notre petitesse, et du coup à notre grandeur. Voilà. Et donc ça me touche et ça me ravit de pouvoir vous partager ça. Je sais que je suis, je suis à Gazette Café pour le café couple. Je vous ferai quand même un petit brief sur quand on est en grande vulnérabilité, qu'est-ce qui rejaillit dans le couple ou dans la relation à l'autre, comment ça vous complexifie. Ou au contraire, amène quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus fort. Donc on parlera à un moment donné de la relation amoureuse ou pas amoureuse d'ailleurs, hein, et de la vulnérabilité, et de la force et de la puissance. Un philosophe que j'aime bien, qui s'appelle, que vous aimez certainement aussi d'ailleurs, hein, qui s'appelle Alexandre Jolienne, a écrit un livre que j'étais en train de lire cette semaine, qui s'appelle « L'éloge de la faiblesse ». Et je le trouve toujours quand je le vois en scène ou en conférence, etc. Je trouve toujours très touchant qu'il puisse à la fois être dans des concepts de sagesse très forts et à la fois tellement authentique et tellement vrai en fait. Hein. Et ça, moi, ça me touche beaucoup de voir ce type de personne, bon, lui il est handicapé, etc., mais d'une telle sagesse, d'une telle puissance. Qui presque il prend toute la place quand les autres les autres philosophes à côté de lui, bon, qui sont très, très bien par ailleurs, hein, mais presque voilà, il prend vraiment toute sa puissance, je trouve, parce qu'il a cette vulnérabilité en lui et qu'il l'assume. Hein. Alors, la vulnérabilité, c'est pour moi la fragilité de l'être. Hein. C'est le moment où on ne peut plus rien tenir. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun moyen de contrôler quoi que ce soit. Voilà. Donc, pour moi, ce qui me concerne, c'est la maladie. Pour d'autres, ça va être d'autres types d'épreuves. Mais c'est à un moment donné, vous êtes tellement au fond du trou que il y a un sentiment d'impuissance qui vient. Surtout, je ne peux pas contrôler ni maîtriser quoi que ce soit, même si une partie de mon ego hein, a envie de maîtriser, puisque le moi, tant qu'on n'est pas mort, il y a un moi qui tient. Et ce moi, qui a sa place d'ailleurs, hein, ne veut rien lâcher. Il ne veut pas lâcher son image de marque, il ne veut pas lâcher, pas que l'image d'ailleurs, hein, le fait de vouloir autre chose que ce qui est surtout. Hein. Je ne veux pas aller mal, je veux aller bien. Donc le contrôle, c'est l'inverse de la vulnérabilité. Et c'est aussi en lien avec la volonté. Je veux autre chose. Je veux, par exemple, moi, par exemple, je veux m'en sortir. Je veux me guérir. Je ne veux pas rester comme ça toute ma vie, dans de telles souffrances, dans le corps. Parce que sinon, et je le dis à mes amis souvent, sinon, je préfère mourir.
parce que c'est horrible de souffrir tout le temps comme ça de manière chronique. Et donc, c'est pas, je ne suis pas du tout suicidaire, mais l'idée, c'est d'arrêter de souffrir, donc d'avoir la paix. Et je crois que je vous l'avais dit dans une conférence précédente, on cherche tous, la plus grande chose que l'on cherche dans notre fondement, c'est la paix. Vous l'avez dit, derrière l'orgasme, la paix. Derrière l'extase, la paix. Donc, qu'est-ce qu'on vise derrière toutes nos habitudes, tous nos comportements, tous nos conditionnements? On vise derrière, après tout, on court derrière la paix. Et la paix, c'est pas toujours facile quand on est dans des périodes de vulnérabilité, d'épreuves, etc. Où est la paix? Où se trouve la paix? Et la partie qui veut, qui cherche la paix, parfois ne peut pas la trouver, justement. Parce qu'elle n'est pas au rendez-vous. Donc, que faire? Voilà, ça c'est la grande question. Et ce qu'on répond, enfin ce qu'on vous a souvent répondu et qu'on m'a répondu maintes et maintes et maintes fois, notamment qu'on va trouver dans la plupart des enseignements spirituels, c'est le mot accueillir. Tu n'as qu'à, moi j'ai entendu ça des millions de fois, tu as mal, mais ne cherche pas par la volonté à résister, à vouloir faire autre chose, à vouloir. Oui, à contrôler, quoi, à vouloir résister à cette souffrance, laisse aller et accueille. Moi, je me suis super, moi, j'étais la première à vous donner des concepts. Accueillir, c'est bien d'accueillir, c'est la première. Des mots personnels, on dit beaucoup accueillir. Il y a deux mots, accueillir, accepter. Vous êtes vulnérable, vous allez voir, c'est bien, c'est super d'aller dans la vulnérabilité, c'est votre fragilité. Ça vous rend humain, super. Accueillir. Ouais, super, je vais accueillir. Essayez d'accueillir quand vous êtes dans des douleurs insurmontables, vous ne pouvez plus rien accueillir. Parce que ce n'est pas possible. C'est juste c'est un témoignage. Après, ça dépend jusqu'où vous souffrez. Il y a des souffrances qui sont gérables. Et donc, accueillir, je ne dis pas ces choses faciles, mais c'est possible. Alors, on peut accueillir jusqu'à un certain point du curseur de la souffrance. Passer un certain point, moi dans l'histoire de douleur du corps, alors là c'est mon monde, hein, des fois je suis montée à 10. Hein. Donc là, accueillir, j'accueille rien du tout, je ne suis plus que identifiée, puisqu'on parle d'identification hein, aux sensations d'ailleurs. Hein. Je ne suis plus qu'identifiée en étant consciente d'être identifiée à des sensations extrêmement douloureuses, et c'est là la vulnérabilité que je touche. Et à ce moment-là, l'accueil, qu'est-ce que je peux accueillir? Je ne peux plus rien accueillir en fait, je ne peux plus rien contrôler. Hein. Et dans cet espace-là, lâcher prise, accueillir, lâcher prise aussi, lâcher prise, c'est encore des mots que j'ai beaucoup entendus, lâche prise, on a répété 120 000 fois. J'arrive à rien lâcher parce que la douleur elle revient, elle est là, elle te lâche pas. Elle. Donc c'est. Je voudrais vous mettre en garde sur des techniques qu'on vous a probablement proposées. Qui sont super chouettes hein, tant que c'est encore gérable, mais il y a des moments où c'est juste pas possible de faire avec. Voilà. Et je pense que l'accueil, c'est accueillir que c'est juste pas possible. Accueillir la part de nous qui ne peut pas accueillir. À ce moment-là, hein, je dis pas à l'instant t'es plus sain, quand on commence à aller un peu mieux, voilà, là je vous parle, j'ai plus de distance, et en plus j'ai pas mal. Tombe bien, je parle en train de me tordre de douleur. Vous voyez, il y a des périodes où je me tordais de douleur, je ne pouvais pas accueillir grand-chose. Et je pouvais difficilement accueillir la part de moi qui n'accueillait pas. Parce qu'il y a une envie, au plus profond de nous, hein, je pense, d'aller avec l'eau du courant, d'aller avec, et de se laisser traverser, et de s'accompagner là-dedans, et d'aller mieux, en fait. Hein. Mais parfois, c'est difficile. Tiens, j'ai entendu, oui, c'est pas grave. Ceux qui rentrent et ceux qui sortent, pas de soucis, vous avez encore des places, hein, vous installez tranquillement. Donc, ce qui ne m'a pas aidée dans la traversée de la vulnérabilité ou de la fragilité, c'était ces notions de devoir accueillir, on doit accueillir, on doit lâcher prise, on doit accepter, même si derrière, il y a des intentions qui sont extrêmement justes. Et ce qui m'a le plus aidée là-dedans, dans accueillir ou accepter,
C'était plutôt quand je me sens vraiment fragile et que je l'assume comme ça, enfin je suis d'accord pour être avec cette fragilité. C'est pas d'aller avec, c'est au contraire, c'est ce que d'ailleurs ma chère amie Lily qui est en face de moi, qui m'a dit, mais écoute, à un moment donné, tu ne peux pas faire autrement que d'être dans la bienveillance. Et ça, ça m'a plutôt aidée. Dans la bienveillance, c'est-à-dire d'être bienveillante avec la partie de moi qui ne peut pas faire autrement que ne pas accueillir, que de rien contrôler, de ne pas s'en sortir, de s'engluer. C'est bien glauque à un moment donné quand on est au fond du trou, ça m'a amené dans des états dépressifs et des états... Le vent, c'est le deuxième cerveau, hein, donc c'est état dépressif, angoisse, terreur, enfin, des trucs incommensurables, je n'ai jamais connu ça de ma vie. Et quand vous traversez des épreuves, hein, quand vous êtes dans votre plus grande fragilité, je pense qu'on peut arriver, on arrive à ces zones-là, qui sont des zones humaines, mais terribles. Et j'appelle ça la nuit noire de l'âme, comme certains auteurs le décrivent très bien. Et dans cette immense vulnérabilité, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Et ce qui m'a vraiment le plus aidée du fond du cœur, c'est et est-ce que je peux mettre par moment, pas toujours, j'y arrive pas toujours, j'y suis pas arrivée pendant très longtemps, à mettre de la bienveillance, c'est-à-dire à aimer celle qui n'y arrive pas, même si elle a une grande volonté, beaucoup de courage pour tenir bon, pour faire des thérapies, des choses qui peuvent aider à en sortir. Parce que souvent on cherche de l'aide quand même, hein. On cherche à s'en sortir quand on est vulnérable, on n'a pas envie de rester au fond du trou. Mais voilà, la bienveillance, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidée. Et ça a été surtout la première étape qui m'a aidée à sortir un peu du tunnel, même si j'avais toujours beaucoup de douleur, c'était d'aimer et d'accepter celle que je suis comme ça. C'est-à-dire, voilà, j'ai maigri de 4-5 kilos, alors j'étais là en mode « Oh là là, je suis maigre !» Je suis moche, je ne suis plus qu'un squelette ambulant, je ne suis plus qu'un zombie de moi-même, mais comment je vais être séductrice comme ça, parce que j'ai pas l'habitude, hein. J'ai plutôt été habituée, et ça me permet de développer aussi sur le sujet de la performance, de l'image qu'on donne à voir aux autres. On est dans une société où on aime plaire, on a l'habitude de plaire depuis qu'on est petit, par une belle image qu'on donne. Ou par la réussite, hein, on est à l'école, on a des bonnes notes, on cherche à avoir des bonnes notes, donc on cherche à faire plaisir aux professeurs, aux parents, et donc on cherche à ce que nos parents ou à nos profs soient fiers de nous. Donc on a été éduqués pour réussir, pour être performant, pour donner le change en fait. Et ça marche jusqu'à un certain point. Mais quand vous êtes dans votre immense vulnérabilité, tout ça, pouf, la façade, tout ça, pouf, tout ça, il n'y a plus rien qui tient. Comme je vous l'ai dit. Hein ? Aussi les autres qui vous renvoient aussi, t'as maigri, parce que... Alors il y a les autres qui peuvent renvoyer, ah oh oui, mais t'as vu la tête que t'as, t'es toute maigre, on est sorti je sais pas combien de fois. Oui, bon, alors, mais les autres ils disent des choses, mais après, soit on le prend pour argent comptant et on se massacre et on en profite pour se dévaloriser, et en général c'est ce qu'on fait, puisqu'on a l'habitude souvent d'être aimé pour l'image qu'on donne, qu'on a donnée. Hein, on sait qu'on plaît avec, voilà, avec notre image de quand on est plutôt une patiente. Hier me disait, j'aime pas montrer de moi les endroits où je ne suis pas glorieuse. Voilà. Donc elle aime montrer les endroits où elle est glorieuse. Donc c'est les endroits où on est fier de nous en fait, les facettes, les parties lumineuses de nous. Hein. Donc ça, on sait qu'on plaît avec ça. On a l'habitude, on est coutumier de ça, donc voilà, et on croit qu'on est aimé comme ça. Et justement, moi j'avais vraiment la certitude que si j'étais vraiment maigre, donc je me trouvais moche, pas assez ceci, ben, on n'allait pas pouvoir m'aimer. Et mais qui ne s'aime pas à ce moment-là? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous déprécions. C'est nous-mêmes qui passons notre temps, et vous allez voir, il y a un petit moi jacasseur en nous qui commence à commenter et qui dit « Mais enfin, t'as l'air de quoi? T'as l'air de rien ?» qui ne s'aime pas comme ça, en fait. Qui se voudrait autre, de nouveau, qui veut contrôler la situation et qui veut pas être celui qu'il est dans cette fragilité qu'il traverse. Mais c'est ce qui est. Et vraiment, cette bienveillance par rapport à soi, ça a été vraiment le chemin pour moi initiatique. Je suis encore tous les jours à travailler dessus. Et une de mes thérapeutes qui m'a dit un truc comme ça, m'a donné une piste, elle m'a dit, écoute, quelque chose que tu devrais faire, c'est de prendre... Alors regarde-toi dans le miroir, elle dit. J'avais une tête, j'étais complètement
je me trouvais vraiment tartignole, fatiguée, épuisée, je dors pas la nuit, enfin vraiment, voilà, amaigrie, tout ça, quoi. Hein. Vous savez, quand on n'est pas en forme, on n'est pas en forme. Donc je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que je vois ? Enfin, qu'est-ce que je vois ? Ben, je vois, putain, la tête que j'ai. Oh, moi, je me regarde pas. Genre, hop, j'évite le miroir. Non, 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 tu restes avec le miroir. Hein. Et tu regardes, et ça c'est une piste que je vous donne, tu regardes la petite fille qui est derrière. La petite fille qui est derrière celle qui juge en fait. Hein. Et regarde à partir de cet endroit-là, comment tu peux aimer cette petite fille qui est démunie, qui est fragile en fait. Et comment la grande peut aimer la petite, hein. Voilà, comme elle est. Et ça c'est un travail de tous les jours que je fais maintenant, alors je regarde dans le miroir. Et puis, je me dis, ah ouais, quand même, j'ai la tête que j'ai, je suis comme je suis. Et finalement, j'apprends à m'accepter telle que je suis. Mais c'est un chemin. Et c'est pas comme ça, tiens, je craque des doigts et je m'accepte. Parce que la première chose qu'on fait quand on touche notre vulnérabilité, c'est de se dévaloriser. C'est ne pas s'aimer, de ne pas se voir comme ça. Hein. Et moi, j'étais loin là-dedans et je m'en rendais compte. Et même en m'en rendant compte, j'arrivais pas à changer ça. Tellement j'avais cette croyance, cette certitude que je ne pouvais être aimée que si j'étais performante, brillante, intéressante, intelligente, je sais pas quoi. Et là, il n'y avait plus rien de tout ça. Voilà. J'étais ni intelligente, ni performante. J'étais au fond du trou. Il n'y avait plus que quelqu'un qui est juste effondré, quoi. Hein. La vulnérabilité, des fois, ça va pas loin du chaos et de la fracture et de l'effondrement. Hein. Et là, je vous parle de la haute vulnérabilité. On peut être un petit peu vulnérable par moment. Moi, je sais que j'ai touché la grande vulnérabilité. Et ça mène à quelque chose de très anxiogène. Ça mène à la déstructuration. Ça mène à l'effondrement de notre structure de personnalité et du moi. Qui suis-je si je ne suis plus tout ça, quoi ? Et à un moment donné, j'ai même des écrits où je me dis, mais qui je suis, quoi ? Quand tout s'effondre, quand je n'ai plus aucun repère, quand tout me lâche, au fond, qui suis-je quand je n'ai plus de repère ? Et ça, ça m'a beaucoup interpellée. Alors, attends, je vais reformuler parce qu'il n'y a pas de micro, mais je t'écoute. C'est quelque chose qui pourrait arriver juste avant le suicide. Oui, c'est quelque chose quand. Alors, elle me dit, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver juste avant le suicide ? C'est ce que j'appelle vraiment les zones de désespérance absolue, où tu es tellement au fond du fond, et des personnes qui ont eu des moments de dépression, des moments. Des preuves comme ça, vous l'avez touché, ça, le fond, le tunnel, le fond comme ça, hein. Tout s'effondre, et vous pouvez. C'est les sables mouvants. On ne peut pas se raccrocher à quoi que ce soit, puis il n'y a rien qui accroche. Et à ce moment-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis venue et j'ai dit, c'est pas le suicide parce qu'on est suicidaire, on n'a pas envie de mourir en fait, hein. Mais c'est parce qu'on est tellement mal qu'on a plus, on est impuissant, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus d'option. Et donc c'est la paix, c'est faut que ça s'arrête la souffrance, quoi. Hein, c'est pas l'envie de se suicider en général, hein, c'est l'envie que ça s'arrête et de trouver la paix en fait, c'est ça le truc. Et voilà, mais des fois. Quand on est vraiment dedans, il y a des moments où c'est pas. Mais, comme vous savez, la vie, c'est l'impermanence. Donc, une autre des voies extérieures, des personnes qui m'ont aidée sur ce chemin, ça a été de me dire, à un moment donné, je me rappelle d'une séance que j'ai faite avec une thérapeute comme ça, qui était très bien, qui m'a dit, mais pourquoi tu crois que tu ne vas jamais t'en sortir ? Parce que quand on est au fond du trou, on se dit, mais ça va durer définitivement. Hein. C'est comme ça. Et jamais il y aura de... Voilà, c'est comme ça aujourd'hui, demain, après-demain. Bon, ça dure, ça dure, ça dure. Et ça va durer toujours. Alors là, c'est l'horreur. T'imagines, je dis, si je suis toujours dans des douleurs comme ça chroniques, non, moi, je veux pas continuer comme ça à vivre. Je veux pas, moi. Moi, je veux sortir de là. Je veux m'échapper du corps. Punaise, je peux pas m'y échapper, ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc voilà, j'étais dans des trucs comme ça. Et donc, cette thérapeute-là, qui m'a... donner un point de vue assez éclairant, elle me dit, tu sais, c'est un truc que j'aime, elle me l'a rappelé, elle m'a dit, mais tu sais, tout va, tout vient. Il n'y a rien qui est permanent, c'est vrai, tout va et tout vient. C'est-à-dire, tu peux imaginer à l'instant, mais c'est un imaginaire que tu vas rester toute ta vie là-dedans, et tu peux pas, c'est juste, tu peux le construire dans ta tête, mais
ça vient. Et vous l'avez expérimenté certainement. Il y a eu certainement des moments où vous avez été dans des moments affreux, extrêmement terribles, chaotiques. Et puis, à un moment donné, petit à petit, hop, vous êtes sorti d'affaire. Et puis, tout a repris son cours. Alors, des fois, on ne sait pas pourquoi. C'est un miracle. Des fois, il y a des gens qui vous ont aidé sur votre chemin. Parfois, les choses se restaurent d'elles-mêmes. On ne sait pas. Parfois pas. Parfois, c'est des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Parce qu'on lâche quelque chose. Je pense aussi beaucoup, parce que moi, je suis thérapeute et je travaille en ce moment beaucoup avec d'autres thérapeutes pour moi. Et effectivement, s'il y a un changement intérieur qui se fait, mais en profondeur, il y a des chances pour que des symptômes nous lâchent ou pour que les choses changent, en fait, qu'on voit la sortie du tunnel. Mais encore faut-il trouver l'endroit où on va trouver cet espace de changement intérieur. Alors, c'est pas toujours évident. Et de nouveau, je rappelle que quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Voilà. Et c'est comme ça. Et on ne peut pas y arriver comme ça. Des fois, ça prend du temps. Et il faut arrêter d'être dans « bah oui, je devrais y arriver ». Parce que ça aussi, ça fait beaucoup de mal quand on est vulnérable. « Je devrais arriver à m'en sortir et j'y arrive pas. Ben, » j'y arrive pas, oui. Je pense que la vulnérabilité, ça a à voir avec l'abandon. J'abandonne tout, je lâche tout. Et quelqu'un d'autre qui m'a aidé aussi sur mon chemin m'a dit « Lâche-toi la grappe. » Il m'a dit « Regarde sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle « Lâche-toi la grappe. » C'est vrai. Donc j'ai regardé, je dis, ah. Et c'est parce que notre mental, en fait, notre petit moi, il veut contrôler, il a beaucoup de volonté, il veut que les choses soient différentes, il fait plein de choses pour s'en sortir, de ne pas rester dans des zones inconfortables. Et du coup, « Lâche-toi la grappe », c'est une piste pour être avec ce qui est, en fait. J'arrête de vouloir gérer. Hein. Par exemple, moi, c'est déjà « Arrête de vouloir gérer la douleur ».« Arrête de vouloir gérer la douleur ». À un moment donné, « Lâche-toi la grappe voilà. ». Alors, des fois, ça aide, des fois, ça aide pas. Mais des fois, ça m'a aidé aussi, « Lâche-toi la grappe ». Parce qu'on est tous dans un mental qui est extrêmement, actif quand on va pas bien. Et notre mental veut s'en sortir. Oh, mon téléphone, il sonne. Arrêtez. Une seconde. Faut appeler Gaston. Gaston. C'est vous qui sont. Ouais, je voilà. Ça vous montre que c'est de l'impro. Voilà, ça vous montre qu'on est dans l'impro. Mais j'aime bien. Donc, la vulnérabilité, c'est l'authenticité. C'est le dépouillement. Il y a quelqu'un d'autre qui veut tenter ses téléphones, je ne suis pas la seule. Donc, c'est bas les masques. La vulnérabilité assumée, c'est ce qui nous. En tout cas, c'est moi ce qui m'a fait le plus de bien dans cette traversée, ce qui me fait toujours le plus de bien, c'est ce que je fais maintenant d'ailleurs, c'est bas les masques. C'est ok, voilà, j'assume, j'ose ça. J'ose le montrer, parce que quand on est très vulnérable, on a honte en général. Ça va avec la honte. La honte de montrer cette fragilité. Et donc la volonté de vouloir tenir une image. Parce qu'on est aimé pour cette image. Et on est attaché à cette image. Voilà, donc ça, travailler sur la honte, c'est énorme. Ça, c'est le premier pas aussi. Hein. Un des premiers pas, c'est ok, je suis vulnérable. Est-ce que je peux oser lui montrer la face du monde ? Je sais que ça se fait pas. Là, j'ai travaillé beaucoup en entreprise aussi. Je sais qu'en entreprise, c'est très décrié ça. On dit surtout, ne maîtrisez vos émotions, ne montrez pas vos émotions, ne montrez pas quand vous allez mal, montrez une image de vous, soyez fort. Hein, donc l'injonction, soit fort, soit forte, que ce soit pour les garçons, pour les filles, beaucoup pour les garçons, même pas mal, mais aussi pour les filles, hein, les femmes aussi, dans notre société aujourd'hui, occidentale, une injonction à être forte, tenir bon, montrer une image de... l'inverse de la faiblesse, hein, qui est la force. Et la force par une image de force. Voilà. Donc ça, c'est le masculin, c'est le yang. Et dans les entreprises, je disais très souvent, on attend de montrer une image de celui qui maîtrise, qui réussit, qui est performant, etc. Et surtout pas celui qui est touché, qui pleurniche, qui se plaint, etc. On dit c'est une victime. Donc ça va faire des confusions dans la tête pour moi. Et ça va empêcher les personnes de montrer leur vulnérabilité, c'est-à-dire l'endroit où ils sont à l'instant. Donc un des premiers pas, c'est d'oser afficher, d'oser montrer, relationner avec les autres
à l'endroit où vous êtes dans l'instant. Donc si vous êtes vulnérable, vous êtes vulnérable. Vous êtes enfant, vous êtes enfant. Vous êtes triste, vous êtes triste. Vous êtes dans la peur, vous êtes dans la peur. Dans la terreur, vous êtes dans la terreur. Parce que c'est juste humain. Je vous rappelle qu'on est tous du même et on est tous traversés de manière commune par ces mêmes émotions. Si c'est pas maintenant, c'est demain. Si c'est pas demain, c'était hier. Voilà, donc vous inquiétez pas, de toute façon, on est du même genre. On est de l'espèce humaine. Donc, il n'y a pas de honte à être traversé par la vulnérabilité quand vous êtes vraiment, vraiment contacté de manière intense par la fragilité de ce que vous touchez. Et c'est en même temps, c'est pour ça que j'aimais bien le livre Éloge de la faiblesse, parce que c'est souvent, on confond la vulnérabilité avec la faiblesse. On associe la vulnérabilité et la faiblesse. Et c'est pour ça que j'ai associé la vulnérabilité à la force et à la puissance, parce que justement, c'est ce qui nous met en lien. C'est parce que tu me montres ta vulnérabilité de manière très authentique et dévoilée, donc tes zones d'ombre en fait, hein, que peut-être tu n'aimes pas toi-même, parce que tu me les offres et que tu me les montres généreusement, enfin voilà, tu n'en as pas honte, que tu peux te mettre en lien avec moi, vraiment, dans un vrai lien où je vais te toucher par ta fragilité qui est en résonance parfois avec la mienne. Donc je vais mettre en empathie avec ta vulnérabilité, ça me touche. Parce qu'en tant qu'être humain, je vibre aussi là-dessus par moment. Donc voilà. Après, le bémol que je vais mettre là-dessus, hein, sur OK, pour oser montrer, hein, oser afficher, quand vous êtes dans votre vulnérabilité, oser montrer ça aux autres, à vos proches, et même, voilà, moi c'est grand public, donc le monde entier, pourquoi pas, hein. Encore faut-il que le contexte, si c'est le contexte entreprise, j'avais pris cet exemple, il y a des règles du jeu, hein, des fois ça passe pas, donc il y a des contextes où ça passe pas. Donc après, vous pouvez trouver des contextes où il y a vos amis, vos proches, vos compagnons, etc., qui peuvent entendre votre vulnérabilité et l'accueillir. Hein. Mais il ne faut pas confondre aussi vulnérabilité, parce que vulnérabilité, ça peut mettre aussi en place un système d'appel au sauveur. Si je suis vraiment au cœur de ma vulnérabilité et que je ne m'en sors pas toute seule, ce qui est beaucoup mon cas en ce moment, j'appelle à l'aide. Il y a deux manières de gérer. Hein. Il y a ceux qui vont appeler à l'aide. Ah, au secours, help. Ça, c'est moi. Help, qui c'est qui est là pour m'aider? Et puis, il y a ceux qui vont faire l'inverse, qui vont se mettre dans le retrait. Je vais rentrer, selon vos parcours de base, hein, vos parcours d'enfance, soit vous allez rentrer dans le figement, c'est-à-dire vous rentrez dans le retrait, donc vous vous séparez du monde et vous vous isolez. Vous mettez dans votre bulle, dans votre grotte, et vous restez avec votre fragilité. Et parfois, ça ne vous fait pas du bien d'ailleurs. Il y a des moments où on se ressource dans l'isolement, il y a des moments où on ne se ressource pas parce qu'on s'enfonce toujours et encore dans l'isolement. Et on ne sait pas demander de l'aide. On ne sait pas demander de l'aide dans la relation à l'autre. Et il y a d'autres personnes qui vont au contraire avoir tendance, plutôt comme moi, à et d'ailleurs je travaille là-dessus, à être dans OK, je suis vulnérable, je demande de l'aide, j'ai pas de mal à demander de l'aide. À un moment donné, je me fais tellement pas confiance dans mes appuis que j'appelle les sauveurs en fait. Et les sauveurs, ils vont me donner plein de conseils. Mais plein, ils adorent. Parce qu'on a envie de contribuer pour les gens fragiles, pour les petites choses fragiles. Hein. Donc, vous savez, victime appelle sauveur. Et oui, et donc victime appelle sauveur ou persécuteur. Donc, si je m'enlise, et ça j'en ai conscience, hein, mais c'est des scénarios qui sont construits depuis l'enfance, soit vous êtes plutôt en posture de victime parce que vous avez vu ou compris assez vite que quand vous étiez pas bien, papa ou maman venait s'occuper de vous, par exemple. Donc, vous avez appris ça, vous avez compris ça. Donc, la tendance, quand vous êtes grand, c'est de continuer avec ça. Ah oui, si je vais pas bien, j'ai vu que il y a quelqu'un qui vient à mon aide, qui me prend dans les bras, qui me dorlote, qui me donne des conseils, qui me berce, qui me fait des câlins, tout ça, et ça me réconforte. Et donc j'en ai besoin et je ne peux pas m'en passer. Et donc ça vous crée une dépendance. Et la dépendance aux autres n'est pas bonne non plus, parce que pendant que vous faites ça, vous ne prenez pas appui sur vous. C'est-à-dire vous ne vous faites pas confiance en vous. Sur qu'est-ce qui est bon pour moi, comment je m'écoute, vous quittez en fait. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi. Et un endroit dans vos épreuves et dans nos épreuves qu'on traverse,
Il n'y a que nous qui puissions sentir au plus profond qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Qu'est-ce qui nous fait du bien à ce moment-là, qu'est-ce qui ne nous fait pas du bien. Et ça, ça demande à revenir à un senti qui n'est pas toujours là quand on a l'habitude de faire appel, comme moi par exemple, aux autres. Vous voyez ? Et je vous ai dit, le deuxième profil, c'est l'inverse. C'est le profil évitant. C'est celui qui va se couper des autres, émotionnellement déjà, puis se couper du monde entier, et se dire que je vais m'en sortir tout seul. Je ne compte que sur moi-même. Et je ne m'émets plus en lien. Je ne demande pas d'aide. Et là, des fois, c'est très lourd aussi. Hein, parce que souvent, une des ressources, et vous le savez parce que vous l'avez expérimenté, hein, quand on va mal, souvent, une des ressources, une des meilleures, plus grandes ressources, c'est le lien, c'est l'amour, c'est la chaleur humaine, hein, c'est l'affection. C'est le lien du cœur, en fait. Hein. C'est donner, recevoir, cette réciprocité qui apaise un peu à ce moment, quand on est vraiment dans ces moments de grande vulnérabilité. Et donc, ce serait dommage de s'en priver et en même temps de ne pas tomber. Hein. Vous voyez, c'est toujours pareil, on est toujours dans l'équilibre. Jusqu'où je sais demander de l'aide, jusqu'où je me mets en lien pour me faire du bien et pour aussi voir que les autres, ils se font du bien à m'aider aussi. Il ne faut pas croire que les autres, je les utilise, mais bon, voilà. Il y a du plaisir à contribuer. Hein. Donc mes sauveurs préférés, je sais qu'ils ont aussi plaisir. Parce qu'il y a le don d'être aussi. S'ils me donnent, je suis en dette. Mais parfois pas. Parfois c'est vraiment, il y a le plaisir à donner généreusement à quelqu'un qui attend de la main, hein, comme on dit, à quelqu'un qui va pas bien parce qu'il est dans cette période de fragilité. Voilà, donc il faut aussi regarder ça comme ça. Mais l'excès, ça serait de tomber dans la dépendance hein, et de jouer à la victime et de l'utiliser, parce que c'est comme ça que vous avez appris à ce qu'on s'occupe de vous. Ce n'est pas bon du tout. Donc, ok pour la vulnérabilité, sans tomber dans l'excès de l'évitement, je reste tout seul, sans tomber dans l'excès de la dépendance aux autres et de ne pas se faire confiance. Voilà. Donc je voulais vous toucher un mot là-dessus. Je pense que vous le pressentez quand vous pensez à vous, hein, jusqu'où je suis dans soit celui qui a tendance à demander de l'aide, soit celui qui a tendance à ne pas en demander et à me retirer du monde entier et à faire seul. Et ça, ce sont des croyances qui sont installées depuis très tôt dans l'enfance, qui sont liées au traumatisme de l'enfance. En général, quand on a eu des séquences traumatiques, on a fréquenté des zones d'impuissance très fortes et on n'a pas pu contrôler et on s'est dit « je ne peux compter que sur moi-même ». À partir de maintenant, je ne compterai plus que sur moi, puisqu'il n'y a personne pour me protéger. Et donc, je vais devenir quelqu'un de fort, en fait. C'est l'injonction « sois fort ». On appelle en analyse transactionnelle les messages contraignants « sois fort ». Alors, il y en a qui vont conjuguer « sois fort »,« sois parfait ». Donc alors, ceux qui conjuguent « sois fort »,« sois parfait », puis il y en a un autre qui s'appelle « fais des efforts », moi j'ai un peu de tout. Hein ? Donc là, vous voyez, vous êtes... Pour vous faire du mal à vous-même quand vous êtes en période de vulnérabilité, c'est tout bon, là. Vous avez gagné au loto, là. Parce que soit fort, c'est t'as pas le droit d'être fragile et de le montrer, donc de demander de l'aide. Tu t'aimes pas comme ça, en plus. Tu te détestes comme ça. Donc là, tu te tapes dessus. Là. Ça, c'est le soit fort. J'ai pas le droit d'être fragile. C'est vu comme de la faiblesse. C'est honteux, c'est pas bien, mal. Pas bien. Fais des efforts, il faut toujours persévérer, il faut toujours la volonté, il faut s'en sortir, il faut être courageux. C'est pas le lâcher prise ici, hein. Je sors mes rames pour y arriver, hein. Oui, faut faire des efforts. On n'a rien sans rien. Hein. Donc là, on va endurer. Hein. Bon. Donc ça, c'est pas non plus aidant hein, quand on cherche à lâcher prise, parce que c'est l'inverse de laisser aller. Hein. Et le soi parfait, alors là, c'est pompon, parce que le soi parfait, c'est... Tu dois ne pas faire d'erreur. C'est pas dans le cadre, là. Là, c'est pas bien comme tu fais, là, pas du tout. Ouh là là, ouh là là. Là, c'est pas du tout, là, t'es fragile. Ouh là, tu fais plein d'erreurs, là, c'est pas comme ça. Tu sors du cadre, là. Oh, pas bon, hein. Personne va t'aimer comme ça. Hein. Déjà, tu t'aimes pas, mais alors les autres, c'est pire. Ils vont certainement pas t'aimer comme ça. Là, tu vas te retrouver vraiment tout seul, exclu du monde entier. Alors là, c'est pompon. Là, ça arrive dans le... Là, on arrive dans la zone dépressive. Hein. J'ai plus envie de rien, je ne m'aime pas, les autres ne m'aiment pas.
C'est ça la zone dépressive. Il n'y a plus rien, il n'y a plus envie de rien, je ne suis plus rien, les autres ne sont plus rien, plus rien qui vient. Et hop, ça coule, le bateau coule. Donc voilà. Pardon de vous interrompre, mais je pensais qu'on allait prononcer le mot parfait, perfection. C'est autre chose. C'est alors oui, tu disais le mot perfection, ça veut dire autre chose. Oui, ça te rappelle quoi? C'est-à-dire, moi je suis très gênée une fois parce que souvent, parce que je suis attachée à une certaine. J'ai des goûts, des passions diverses, à certains domaines de connaissances. Et dans certains domaines que j'aime, je suis passionnée par exemple par certains domaines de connaissances. Alors, je reformule parce que pour le micro, donc elle est passionnée par certains domaines de connaissances. J'ai été très gênée et désemparée même parce que j'ai entendu en plusieurs endroits où j'allais prendre des cours, ainsi de suite. J'ai eu avec une enseignante qui donnait des cours. Alors, elle voulait prendre des cours à plusieurs endroits. Oui, oui. Attendez, et à un moment donné, elle me dit, l'enseignante, j'aime pas les personnes trop parfaites. Oui, et l'enseignante lui dit, elle aime pas les personnes alors, trop parfaites. Là, complètement, alors là j'étais, mais comment il faut être? Ah oui, donc si je ne suis pas parfaite, qui suis-je? Oui, mais alors je fais une tasse connerie et comme ça ce sera mieux. Oui, alors c'est pas tout ou rien. Alors on lui a dit, si tu n'es pas parfaite. Non, j'aime pas les personnes parfaites. Et attends, une enseignante. Soi-disant copine d'un endroit où je vais. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, une deuxième enseignante, pareil, de la même discipline. Une deux fois. Plus un journal, ce qu'on est bien placé là, le patron du journal, un jour je vais pour travailler avec, il me dit, mais je ne veux pas travailler avec vous. Oui. Dis, parce que vous êtes, je ne veux pas travailler avec vous parce que vous êtes trop parfaite, c'est exactement. Ça exactement. Quatre oui. Fois. Donc vous voyez que le perfectionniste peut nuire. Non, c'est pas le perfectionniste, c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Oui. Je ne sais pas être autrement, je ne sais pas. Il faut accepter les autres, je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention d'être parfaite. J'ai sûrement des défauts. Comme on l'est tous, sinon on ne serait pas ici. Donc, ah oui, alors on est tous imparfaits. On serait Dieu, on serait. Oui. On n'est pas parfait, mais je ne sais pas. J'ai eu quatre fois dans ma vie. Oui. Et c'est quand même dommage. Interpellant. Jusqu'au jour où une amie, l'an dernier, m'a dit. On dit ça pour te bloquer, parce que t'es pas le patron du journal. Alors on lui a dit, je résume, on lui a dit ça pour la bloquer. On dit ça pour te bloquer, pour pas que tu avances, pour qu'on te dise que t'es pas à la perfection, donc on t'aime pas parce que t'as l'air trop parfait. Ok, voilà. Alors pour cette histoire de perfectionnisme, c'est parce que j'étais sur le. Oui, c'est terrible d'être rejeté pour le perfectionnisme. Voilà. Et en même temps, quand on est. Dans nos zones de vulnérabilité, puisque je reviens sur la vulnérabilité, oui. Eh ben on n'est plus parfait. Il n'y a plus le parfait. Celui qui se veut ou celle qui se veut parfaite. Là, ça ne tient plus la route en fait. Hein. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, il y a une voix, il y a plusieurs voix en nous. Hein. Il y a toujours plusieurs parties. Il y a une partie qui commente, le commentateur, qui dit. Mais tu n'es pas à la hauteur de ce que tu devrais tout faire, etc. Parce que quand on a été construit sur le message soit parfait, on a été renforcé comme ça, c'est-à-dire qu'on nous a aimé comme ça aussi, ou on nous a donné des bonnes notes, ou nos parents nous valorisaient, on nous a valorisé aussi sur le soit parfait. Ou alors on s'est dit si je suis parfait, si je fais pas d'erreur, alors à ce moment-là, je vais tenir le cadre. Hein, il y a l'histoire du cadre hein, dans le soi parfait. Il faut tenir les règles. Hein. Donc ça peut être quelque chose qui a permis de survivre, de se vouloir parfait ou de donner, de faire des choses parfaites, etc. Mais c'est inversé à la vulnérabilité. C'est vraiment... Parce que dans la vulnérabilité, c'est je touche un endroit où je ne contrôle rien. Donc ça va vous amener... Que quand vous êtes vraiment dans des espaces de grande vulnérabilité, vous allez voir, si vous n'avez pas déjà été dedans, le soi parfait, il s'écroule là, il est là, ouh, il en prend un coup. Mais là, on devient vulnérable. Là, vous devenez vraiment, quand le soi parfait, c'est là où vous vous rendez compte que vous rentrez dans la vulnérabilité, c'est quand votre soi parfait ne tient plus à route. La perfection n'existe pas. Mais la perfection n'existe pas, mais ceux qui ont le message soi parfait, même s'ils savent intellectuellement, c'est ça le truc, que la perfection n'est pas de ce monde,
il y a quand même une partie qui veut résister, qui veut faire bien, faire les choses comme elles devraient faire être, qui veut s'en sortir, qui veut réussir, qui veut voilà, qui veut quelque chose. Et la volonté, je vous rappelle, c'est l'inverse, c'est le contrôle, la volonté, c'est l'inverse de se laisser toucher dans la vulnérabilité, de laisser, de lâcher prise en fait, hein. C'est vraiment l'inverse. Et quand ce moi veut autre chose, ben vous voyez les parties qui sont en conflit, une partie veut quelque chose, donc veut ici être parfaite, ou veut briller, ou veut ceci, veut cela, et ça ne tient plus la route, quoi. C'est ce qu'on appelle l'effondrement du système. Et la vulnérabilité amène souvent dans l'effondrement du système. Et c'est un bien pour un mal pour un bien, très souvent, parce que quand le système s'effondre, ça vous amène à trouver autre chose, à trouver quelque chose de différent, que vous ne connaissez pas encore sur vous. C'est-à-dire, et moi, c'est aussi en ce moment mon contrat de thérapie, d'ailleurs, mais au fond, si tu n'es plus tout ça, tous tes repères, mais qui tu es ? Donc ça amène à découvrir, mais au fond, qui on est, comme une renaissance en fait, et d'explorer des zones, des activités que vous auriez peut-être jamais explorées ou rencontrées si vous n'aviez pas été dans ces zones d'effondrement à cause ou grâce à la vulnérabilité que vous avez touchée. C'est souvent dans les épreuves que c'est des zones initiatives, ça va repartir, ça repart, mais à partir d'un endroit où vous allez avoir envie de vous introspecter pour faire ce chemin de découvrir au fond mais qui je suis. Donc il y a le chemin de m'accepter tel que je suis, un petit un, hein, d'aimer la personne vulnérable que je suis maintenant, mais aussi de découvrir mais au fond qui je suis, c'est-à-dire d'être beaucoup plus en contact avec moi. Et je voudrais faire un lien avec la relation amoureuse, puisque je suis sur le café couple en général, et je parle beaucoup des relations amoureuses. Si je ne suis pas en contact vraiment avec moi, si je ne sais pas vraiment qui je suis, je vais donner un faux self. Alors, dans la relation amoureuse, je vais toujours être sur ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire une image construite de moi. Je vais donner à voir une image qui m'est familière, où souvent je vais m'adapter aux besoins de l'autre, où je vais faire des compromis, mais c'est une image que je donne, et peut-être c'est pas moi du tout. Je ne suis pas vraiment en contact avec moi. Donc ces zones d'effondrement permettent aussi d'explorer, mais au fond, de découvrir, mais au fond, qui je suis. Et d'obliger, de vous obliger, enfin moi ça m'oblige à ça en tout cas, à d'explorer d'autres facettes de moi ou d'autres activités que je ne connaissais absolument pas de moi-même. Je vais faire du piano, ou je vais faire de l'art, je vais faire des trucs, je ne sais pas, pour vous parler de choses un peu concrètes quoi. Mais dans la relation, voilà, il y a des choses, je me dis, mais non, mais ça c'est pas du tout, au fond c'était pas du tout moi. Hein. J'ai beaucoup parlé de polyamour pendant un moment donné, et puis là je me dis, bon, c'est ce que c'est mon truc finalement. En toute honnêteté, bon voilà, j'en sais rien, voilà, je me pose des questions. Donc on peut être vraiment dans des déconstructions très fortes et amener à se rencontrer sous d'autres parties qu'on ne se connaît pas, quoi. Vraiment découvrir au fond qui je suis. Pourquoi découvrir qui on est? Mais pour être en accord avec qui on est. Parce que est-ce que je me suis construit, est-ce que mon parcours s'est construit à partir souvent de zones traumatiques, hein, on le sait ça, hein, nos conditionnements sont... issus de nos expériences traumatiques de l'enfance. Donc, très bien. Une fois qu'on sait ça, on prend conscience qu'on est extrêmement conditionné. Bon. Alors, ok. Donc on n'est pas libre. On n'est jamais tellement libre. Mais dans ces zones d'épreuve, de fracture, de d'effondrement, etc., du coup, il y a un moment donné, mais au fond, mais qu'est-ce qui est en accord avec moi? Mais qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui ne me fait pas du bien? C'est des choses simples, en général. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me fait du bien? Ça répond oui ou ça répond non? Donc ce qui me fait du bien, on m'a dit, hein, c'est simple, hein, c'est pas peine de te torturer. Ce qui te fait du bien, c'est ce qui te met en expansion. Ton corps respire. Ça s'ouvre. Ce qui te fait pas du bien, ça contracte. Voilà, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour n'importe quoi, ce qui te fait du bien, c'est l'expansion. Plaisir, expansion. Sourire intérieur. Et ce qui ne te fait pas du bien, c'est... Bon, voilà. Donc des fois, on se dit, ah, ça me fait du bien, mais c'est intellectuel. Hein. Enfin, c'est mental, c'est nos conditionnements. Et en fait, non, ça répond pas forcément oui. Donc il y a aussi quelque chose à découvrir, c'est, ah, mais est-ce que je sais me sentir? Est-ce que je sais identifier ce qui fait oui ou ce qui fait non pour moi? Ce qui est juste, ce qui n'est pas juste pour moi. Et ça, c'est tout un chemin aussi. Très souvent, on ne sait même pas ce qui nous fait du bien. On croit savoir ce qui nous fait du bien, parce qu'on a des représentations mentales
C'est, ah oui, bah ça, j'imagine que ça me fait du bien. Voilà, j'aime bien. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'aime bien? J'ai beaucoup aimé papillonner dans les bras des hommes, parce que pour moi, voilà, être dans les bras, c'est rassurant, c'est câlinant, ça fait un, ça m'apaise, voilà, ça va me guérir, tout ça. Bon, il y en a d'autres comme ça, hein, comme moi, je ne suis pas la seule. Mais en même temps, est-ce que ça me fait tant de bien que ça? Pas sûr, hein. Parce que pendant que je fais ça, ben, je ne suis pas en contact avec moi, ce qui me fait du bien, quoi. Qu'est-ce qui, moi, me fait du bien toute seule? Et quand on est traversé dans des zones de grande vulnérabilité, je vous invite vraiment à revenir au corps, pas au corps souffrant, parce que là, il y a une hyperfocalisation de la souffrance, une hypnose même de la souffrance, que ce soit morale ou physique, hein, parce qu'on peut être dans des deuils, des séparations, des choses très douloureuses au niveau moral. Donc mais il y a une hypnose, parce que notre attention se focalise sur la sensation, l'émotion douloureuse, ou les émotions lourdes, hein, que j'appelle, ou les pensées lourdes. Donc il y a une focalisation de l'attention là-dessus, et c'est très difficile de résister à ça. Donc une amie proche me disait, écoute, il y a un truc que tu peux faire quand tu es vraiment débordé, hein, par la douleur, et que tu es dans des émotions lourdes, et que vraiment il n'y a plus rien qui fait rien, c'est revenir à la structure, et la structure du corps. La structure, c'est habiter le corps, c'est-à-dire, ah, mais je suis encore vivante. Voilà, je ne suis pas encore morte, tiens, tout va bien. Je suis encore vivante, mais pas que à travers la douleur. Ce qu'on fait aussi souvent en thérapie, c'est, et en hypnose, on fait ça, en somatic experiencing, on fait ça. On fait, tiens, mais contacte des zones de ton corps qui ne sont pas douloureuses, qui sont ou agréables ou neutres, mais qui font que tu sens ta structure, tes os. Tu sens la vie, tu sens ta peau, tu sens que tu existes en fait, à travers ta structure et ton corps. Et tu peux même faire le tour de ton corps comme ça, et ça peut être rassurant, hein, de te donner un contenant que les autres ne te donnent pas, parce que sinon on peut trouver toujours des hommes et des femmes qui vont soit nous faire l'amour, soit nous faire des câlins, et nous faire nous sentir rassurés, hein, ou exister. Mais c'est pas mal de trouver, c'est quand même mieux de trouver ses appuis intérieurs sans être en dépendance des autres. Hein. Et donc de dire, ah oui, ok, là j'ai mal, ou là j'ai mal dans mon cœur, ou j'ai mal dans ma tête, ou j'ai mal dans mon corps, mais est-ce qu'il y a des endroits qui restent vivants? Ce fameux « j'existe » dans ma structure, dans mes os, dans mon squelette. Hein. Et parfois ça peut être juste une sensation qui est présente et qui fait... Pendant que je mets mon attention sur cette sensation, je suis, moi, hypnotisée par la douleur, par exemple. Je défocalise l'attention. Parce qu'un truc qui ne marche pas du tout, en tout cas, j'en ai fait l'expérience, c'est de... Quand vous allez dire, ah oui, mais je vais mal, je suis vulnérable, je vais prendre soin de moi. Bon, c'est une bonne idée, hein. Mais je vais prendre soin de moi, je vais me prendre des vacances, je vais me retrouver en tête-à-tête avec moi-même. Alors ça, c'est quoi? C'est bien. Quand c'est pas trop, trop fort, la douleur, on n'entend pas trop, trop fort le désarroi. Hein. Quand vous êtes en grande désespérance, tout seul face à vous-même, dans un vide, il n'y a plus rien, même la communion avec la nature, tout ça, ça ne joue pas. Les trucs qui marchent ne marchent pas, en fait, ne marchent plus à ce moment-là. Ça veut dire que là, vous êtes vraiment dans l'énorme vulnérabilité. Quand vous êtes un peu dans la fragilité, communion avec la nature, les ressources, en fait, hein, ça marche, hein. Communion avec la nature, les ressources avec les animaux, je sais pas, tous les loisirs, tous les trucs qui vous font du bien, voilà, tout ça, la lecture, tout ça, ça marche. Quand on est dans des grandes zones de vulnérabilité, à un moment donné, tout ça, et puis on n'y fait rien. Donc là, c'est le débordement, qu'on appelle les zones de débordement. Et à ce moment-là, ça va être à vous de trouver ce qui vous fait du bien. Mais des fois, c'est... Laisser passer, hein. C'est garder la confiance. Et c'est pas toujours simple de garder la confiance en la vie ou la confiance que les choses vont s'arranger. Certains vont s'appuyer sur la foi spirituelle. Et je trouve que ceux qui sont dans la foi sont vachement aidés. Je le dis comme ça parce qu'ils ont un appui spirituel qui est très fort, très puissant, et qui leur donne cette fameuse confiance en la vie. Alors après, ça passe par la loi de l'attraction, l'univers va te donner, la pensée positive, enfin tout ce truc-là. Et des fois, ça marche super bien, hein. Je suis pas en train de dire, ça marche pas. Ceux qui sont vraiment dans ces croyances-là, sont bénis des dieux quelque part, parce que c'est un appui extraordinaire. Alors, moi qui suis ouverte, sans être trop là-dedans, tout en étant ouverte,
je rame beaucoup plus, parce que j'ai moins la foi que d'autres. Et donc, du coup, je cherche la foi, et des fois, je la trouve pas. Donc là, trouver vos appuis, eh ben, ça va être vraiment, pour moi, ce qui est vraiment, c'est très concret, c'est qu'est-ce qu'ils m'aident, qu'est-ce qu'ils m'aident pas. Voilà. Dans ces moments où je vais très mal, qu'est-ce qu'ils m'aident, qu'est-ce qu'ils m'aident pas. C'est simple, hein. Il ne faut pas se prendre la tête, parce que des fois, les choses les plus simples, c'est les choses qui marchent le mieux. Donc si pour vous, c'est la foi, tant mieux. Mais cherchez. Qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce qui m'aide pas. Et ça va vraiment... C'est pas l'univers qui va vous répondre, c'est à l'intérieur ça va vous répondre. Ah oui, ça c'est oui, ça c'est non. Les plus simples sont les choses les meilleures. Oui, tu voulais dire quelque chose. Oui. J'ai découvert, mais il n'y a pas longtemps, hein, en lisant, en tout cas, mais j'ai pris un peu de choses. Et alors, j'ai découvert, alors ça m'a beaucoup étonnée d'un côté, mais parce que ça a été découvert avec... Je le sentais, je le ressentais, mais je ne le savais pas, que les gens qui avaient la foi, une forte foi, ils vivaient plus longtemps, ils avaient une meilleure santé que ceux qui ne croyaient pas. Oui, voilà. Elle est en train de dire, je reformule, c'est ceux qui ont la foi vivent plus longtemps. C'est comme ceux qui sont optimistes, mais c'est pareil, ça a à voir avec l'optimisme. Quand on a la foi, on a la confiance en la vie. Et donc, on est dans le verre à moitié plein et pas dans le verre à moitié vide. On est plutôt dans l'optimisme. On a la foi, quoi. On croit. Donc, on croit que ça va s'arranger. Et donc, évidemment, forcément, les optimistes, on le sait, au niveau de la santé, ils vont mieux que les pessimistes. Ça, c'est prouvé. Donc, oui, c'est sûr, c'est des appuis. Voilà. Mais après, ça se travaille. Il y en a qui peuvent développer, il y en a qui l'ont depuis la naissance, il y en a qui l'ont pas, il y en a qui l'ont moins. Enfin, on est tous différents, hein, donc voilà, on est comme on est. Je dirais que le plus grand tort qu'on pourrait se faire, je te donne la parole juste après parce que je t'ai vu, c'est de se vouloir autrement que ce qu'on est. Moi, je sais que des fois, je me tape dessus en disant, mais putain, j'ai... Ah, l'autre, il a la foi et tout. Alors, j'ai fait des cours, j'ai fait des tas de trucs. Je suis passée par des trucs. Je me suis dit, la loi de l'attraction, super. J'y croyais pas trop, mais je me suis dit, ouais, ça a l'air de marcher. La pensée positive. 20 minutes de pensée positive par jour, et alors vas-y. Donc, j'étais là tous les jours, hyper adepte et tout. Ça va marcher. Je veux trouver une solution. Moi, j'ai mal, donc je trouve une solution. Donc, j'étais là, hyper volontariste et tout. Au bout de 2 semaines, ça fait rien. Encore un truc qui fait rien. Bon, alors, j'ai testé mille trucs comme ça, mais ça peut marcher. C'est pas que ça marche pas, hein. C'est que des fois, il y a des personnes qui. Ça va vraiment. Si vous y croyez, que ça peut fonctionner, des pratiques fonctionnent. Il y a des gens qui font de la méditation, ça marche du feu de Dieu, quoi. Et moi, ça marche pas. Moi, je suis sur Petit Bambou tous les jours, à fond sur Petit Bambou. Et ça me fait pas de mal, hein, mais c'est trop sérieux en fait. Et donc, c'est pas quelque chose qui est très aidant. Alors je me dis, oui, tout le monde me dit la méditation, mais oui, mais ça change tout. Non, c'est une grande mode de la méditation. Non, je suis enseignante de tantra, la méditation, c'est quand même, ça doit être mon truc. Ça me parle pas plus que ça, c'est pas plus aidant que ça. Mais c'est moi. Je veux dire, après, ce qui marche pour vous ne marche pas forcément pour moi. Hein. Et donc, moi, je cherche vraiment, je vous dis, est-ce que ça m'aide? Voilà, c'est concret. Si ça m'aide, je continue dans cette voie. Et si ça m'aide pas plus que ça, et que ça me recouche ça me met une couche de sérieuxité, de faire des efforts, de bien faire les choses, parce qu'on m'a dit qu'il fallait bien faire les choses, parce que si je faisais bien les choses, j'allais m'en sortir, si ça m'aide pas, moi, si ça me parle pas plus que ça, pas insister. Hein. Donc ça c'est mon témoignage vraiment dans le dur de maintenant, hein, de ce que je traverse maintenant. Et vraiment, je vous partage ça. Parce que parfois on est dans une ambiance où les gens sont bons, ils sont de bons conseils parce que ça marche pour eux, donc ils ont envie de dire mais ça marche pour moi, donc si ça marche pour moi, et puis comme tu vas mal et que t'as pas l'air de t'en sortir, je vais te dire ça marche pour, fais-le, ça marche. Puis toi t'es là, tu veux bien faire, tu dis bah oui, si ça marche pour toi, ça devrait marcher pour moi. Il n'y a pas de raison que ça marche pas pour moi. Alors t'essayes, tu fais des pratiques, des fois, bon. Et des fois en persévérant ça marche, mais des fois ça vous rajoute une couche de sérieuxité. Et très souvent, quand on est très vulnérable, on perd complètement, on est absorbé, hein, débordé, on perd complètement le sens de l'humour. Où est passée ma légendaire légèreté? Bon, je sais pas, elle est passée là. Des fois je dis, putain, où est ma légèreté? Et ben non, c'est lourd, c'est très très lourd. Et des fois c'est glauque de chez glauque. C'est comme ça.
Et j'ai appris à être dans c'est comme ça, hein, voilà, c'est glauque, c'est glauque. Mais quand on vous reproche. Hein, quand on te reproche, regarde, dans la relation, c'est vrai que j'ai déjà parlé sur la relation. Parce que des fois on est à deux, on vit en couple, ça arrive des fois quand même. Où on est en relation, voilà. Et donc les autres, où on est en amitié, etc., les autres peuvent vous reprocher d'être dans le lourd, quoi. Hein, t'es toujours la gueule, c'est toujours lourd, t'es toujours en train de pleurer sur ton sort, t'es victime, ça. Tu te plains, t'as toujours mal. Voilà, donc ils peuvent vous faire des reproches. Alors, je vous rappelle le maître mot quand on est très très mal, la bienveillance. Donc, quel est mon entourage? Ou mon entourage? Alors, est-ce que mon entourage est bienveillant? Voyons voir. Est-ce qu'il me fait du bien ou pas? Ça va résonner hein, dans le corps. Hein. Donc, si votre... Alors là, vous allez faire le tri, hein. Ça va être vite vu. Hein. Ça vous oblige à faire le tri. Hein. Et j'ai eu beaucoup de personnes comme ça, dans mes patientèles ou dans mes amis, qui m'ont dit, oh là là, c'est quand on va vraiment mal, on sait sur qui on peut compter, et on sait les gens qui sont bienveillants ou pas. Donc, si on te fait beaucoup de reproches, à un moment donné, je pense que c'est peut-être pas la peine d'insister pour te faire encore plus de mal que ce qui est déjà présent. Je pense que ça amène à faire le tri et peut-être à vous orienter sur des personnes ressources ou des personnes qui vous acceptent comme vous êtes. Un point, c'est tout. Voilà. Et en fait, quand on va très mal, on va aller dans le dépouillement. Ça oblige à aller à l'essentiel. On n'a plus le choix. À un moment donné, c'est comme ça. On ne fait plus des youplala, des bricolages en tout genre, des images, des machins. On arrête de bricoler avec la vie. On se dévoile à soi, on se dévoile à l'autre, ce que je fais. Hein. Et à un moment donné, on est dans cette nudité, dans ce dépouillement de l'être. Hein, quoi. Et on va à l'essentiel, parce qu'on n'a plus rien à faire de tous les machins. Là, on se débarrasse de tous ces trucs qui ne servent plus à rien, en fait. Mais c'est extrêmement, je pense, des moments essentiels, enfin des moments importants, ces épreuves qui nous amènent d'aller... Ah, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Et ces personnes qui me font... Parce que c'est essentiel pour moi que je les garde. Ils ne sont pas bienveillants. Si ça me ramène encore plus de lourdeur, c'est bon, quoi. Hein, j'en ai assez, donc on va peut-être faire un petit peu le tri. Et se mettre en contact avec soit des nouvelles personnes ou des anciennes personnes. Moi, ça m'a fait renouer avec plein d'amitiés, d'ailleurs, des amis que j'avais perdus. Ça m'a fait beaucoup de bien de renouer avec le féminin, avec les femmes, parce que la vulnérabilité, c'est le féminin. C'est aussi le féminin. C'est plus, sois fort, le masculin, je serre les dents. Non, le féminin, c'est la réceptivité, c'est... on relâche, hein. Et j'ai renoué comme ça avec un cercle d'amis femmes, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi que d'être en contact avec des hommes qui sont charmants par ailleurs, qui ont beaucoup de féminin, hein, et de renouer avec l'amitié. Là aussi, je voudrais aussi témoigner de quelque chose sur l'importance, non pas que de la relation amoureuse, parce que très souvent on est dans des mythes romantiques, et on se dit notre compagnon, notre compagne peut nous aider quand on est très mal. Puisqu'il est là pour nous soutenir, vous vous rappelez dans l'histoire du mariage, c'est écrit, on a signé, il doit nous soutenir, il est là pour ça, on est là pour lui, il est là pour nous, bon bref. Et des fois, et souvent, notre compagnon, il est limité. Parce qu'il a ses propres limites en fonction de ses besoins. Hein. Donc il ne peut pas nous sauver de tout, quoi. Et on se sent rejeté des fois. Moi je sais, j'ai eu affaire à ça, et des fois je me disais, mais oh là là, à ce moment-là, je vais très mal, j'ai très très mal, et il peut rien pour moi parce qu'il n'est pas bien non plus, ou qu'il n'en peut plus de moi dans la douleur, machin, tout ça. Et... Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas rester à me faire rejeter très longtemps, ou à me faire maltraiter comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis partie chercher et vivre en amitié. Et j'ai trouvé que renouer avec des amitiés, vivre en amitié, d'ailleurs, je dis ça comme ça maintenant, je dis vivre en amitié, je trouve que c'est un joli terme qui me va bien. Et je trouve que c'est hyper nourrissant en fait de pouvoir vivre avec des amis qui sont bienveillants et qui vous acceptent à l'endroit où vous êtes maintenant, pas qui vous aiment quand vous êtes comme ci ou comme ça, mais qui vous acceptent à l'endroit où vous êtes là dans la vulnérabilité, et ça c'est très puissant et c'est très nourrissant, sans non plus être complètement dans un attachement de dépendance aux amis non plus, hein, mais de pouvoir circuler en amitié. Et se laisser toucher aussi, se laisser recevoir de la nourriture affective, que ce soit au niveau des contacts physiques
ou des échanges verbaux. Mais si on te fait des reproches, courage-fumons, à un moment donné, il faut arrêter ces relations qui sont toxiques. Même si, par ailleurs, je ne nie pas que ça peut être de très belles personnes et des bonnes relations par ailleurs, hein. Tout n'est pas imparfait, mais il peut y avoir des moments où ça ne te fait pas de bien de rester en contact avec cette personne. Donc vraiment, je vous mets en vigilance. C'est des moments, vraiment, où quand on est au plus fort de notre vulnérabilité, on a vraiment besoin d'empathie ou de quelque chose qui apaise, pas quelque chose qui augmente la tension. Et d'autant que ça nous ramène à nos blessures d'enfance. Ça nous ramène à nos blessures d'enfance, et on a déjà assez souffert comme ça. Donc, surtout si vous sentez que ça vous met en tension, en surtension, ça rajoute de la tension, mettez-vous en bienveillance avec vous, n'insistez pas lourdement, parce que là, vous maltraitez vous-même à croire que la relation est bonne pour vous, alors qu'en fait, elle n'est pas si bonne pour vous. Même si par moment, elle est quand même, elle n'est pas mauvaise. Et ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. Hein, c'est pas parce que vous êtes dans une relation qui vous fait du mal que la personne est mauvaise. C'est juste que par moment, à certains moments, elle est limitée et elle ne peut pas vous faire du bien. Donc il y a d'autres personnes circuler. Ça peut être, on avait parlé de la nature. Vous allez trouver vos ressources propres. Hein. Moi, j'ai trouvé que l'amitié c'était très très parlant et très soutenant dans cette période où je pensais que vraiment personne pouvait m'aimer tel que j'étais. Quoi. Et je me suis rendu compte qu'au contraire, il y avait beaucoup de personnes qui m'aimaient dans cette vulnérabilité. Ça, c'était la surprise, par contre, dans ce passage que je traverse. Il y a des surprises au rendez-vous. Mais il y a des galères. Je voudrais aussi juste dire un truc, un dernier truc que j'avais envie de partager aussi, mais ça, c'est plus ce que j'avais noté. C'est il y a trois stratégies qui nous préservent, sur lesquelles on est habitué. C'est maîtriser, contrôler, c'est comme ça qu'on se protège. C'est fuir, éviter les situations qui nous mettent en danger psychologique ou physique. Et puis se figer. Se figer, c'est se paralyser. Donc c'est des stratégies qu'on utilise pour se mettre en protection. Et en fait, quand on est vulnérable, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est surtout ne pas chercher, enfin, éviter de tout contrôler, parce que de toute façon, on ne contrôle pas grand-chose, on ne voit plus rien. Prendre la fuite, moi je peux pas prendre la fuite de mon corps parce que c'est pas possible. Puis des fois on peut pas partir en courant, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous pouvez pas, voilà, vous êtes obligé de faire face. Et puis se figer, le figement c'est quelque chose qui est très qui est terrorisant. Le figement c'est, par exemple, moi je me vois figer des fois, c'est, je suis complètement asphyxiée, je suis sur mon canapé, je regarde le plafond et je suis là, il n'y a plus rien qui vit quoi. C'est, voilà, ça bouge plus. Il n'y a plus rien qui bouge, mais je pense que vous connaissez tous hein, des moments comme ça où c'est trop, quoi. Vous avez débordé la zone d'inconfort et le débordement mène au figement. Et là, il n'y a plus de mouvement. Hein. Il n'y a plus de mouvement. Et ce qu'on dit souvent, remettez du mouvement pour sortir du figement. Danser, je ne sais pas, chanter, mettez du mouvement, en fait, du sport. Mettez du mouvement pour remettre en circulation la vie, sinon dans le figement. Ouais, complètement là, et c'est la paralysie, c'est très effrayant en même temps. Hein. C'est une zone de c'est pas aidant quand on est vulnérable, même si on plonge dedans facilement. Voilà, une des indications qu'on donne, c'est remettre du mouvement quand c'est possible. Parce que moi, je sais qu'il y a des fois, c'est juste pas possible. Et alors à ce moment-là, ben, on fait ce qu'on peut. Voilà, on fait de son mieux. Je vous rappelle le mantra. Je fais de mon mieux. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais de mon mieux dans l'instant. Et instant après instant, je fais de mon mieux. Ça, c'est vraiment super, super important. C'est quelque chose que je me répète à moi-même. Hein. Ça, c'est la bienveillance par rapport à ça. Je fais de mon mieux, je fais pas ce que je veux. Parce que ça m'amuse pas du tout d'être là, scotché sur moi. Ah, j'ai mal, je peux plus bouger. Non, c'est pas drôle. Donc, c'est beaucoup plus marrant de chanter, de danser, voilà, de faire la fête et tout. Mais il y a des moments où on est attrapé, hein, on est identifié à nos pensées, à nos émotions lourdes, à nos sensations douloureuses. Identifié, c'est on est collé. Isabelle Padovani, que j'aime bien, elle dit ça comme ça, elle dit, regardez, vous avez l'œil collé dessus. Votre émotion, vous êtes dépressif, vous avez l'œil collé, vous êtes identifié, vous êtes collé dessus, vous n'avez pas de distance. Et donc, elle donne comme piste qui parfois marche, qui pour moi parfois ne marche pas, mais qui est une super piste aussi,
vous mettez votre, au lieu d'être identifié, l'œil collé dessus, vous placez votre conscience derrière, un peu derrière vos orbites. Vous voyez ? Placez votre conscience. Donc, qui est celui qui perçoit le désespoir ? Parce qu'il y a, il y a une partie qui est désespérée. J'en peux plus, j'ai trop mal, je veux mourir, je veux que ça s'arrête. Bon, d'accord. Ça, c'est la partie désespérée. Et vous dites, mais voilà, vous mettez votre conscience derrière les orbites, ou derrière la tête, des fois. Hein. Ah, c'est celui qui perçoit le désespoir. Mais celui qui perçoit le désespoir, en fait, n'est pas désespéré. Celui ou celle qui perçoit n'est jamais désespéré, puisqu'elle perçoit, elle a une distance déjà. Donc cette partie-là n'est pas désespérée, elle voit le désespoir, mais quand elle voit, elle observe, et elle n'est pas touchée par le désespoir. Donc on est, peu importe, on n'est plus identifié. Et des fois, cette indication, qui est l'indication de la voie spirituelle, hein, des fois, ça, enfin, je sais pas, hein, moi, essayez pour vous. De temps en temps, ça marche, parce qu'on travaille en méditation. Mais des fois, moi, je me sens trop identifiée, je m'en veux d'être identifiée, et c'est comme ça. Donc, à un moment donné, je me dis, ben voilà, je suis identifiée, je fais de mon mieux. Peut-être tout à l'heure, je sortirai de ça, et des fois, je suis dedans. Donc, le truc vraiment, la bienveillance, qui m'a, pour moi, c'est ce qui marche le mieux, c'est arrêter de se faire des reproches à soi-même en disant, j'ai compris des tas de trucs, on m'a enseigné des tas de trucs, j'ai écouté des tas de conférences, j'ai fait des tas de stages, des tas de cours, des tas de machins, voilà. Voilà, donc ça devrait marcher. Des fois, ça ne marche pas. Et des fois, ça marche. Donc, évitez de vous faire des reproches quand vous êtes mal. Ça, c'est le pire que vous puissiez vous faire vous-même. Vraiment, je parle du fond du cœur, c'est vraiment ce que je suis. Et des fois, c'est très difficile de ne pas se faire de reproches à soi-même parce qu'on a envie d'aller bien et on sait que parfois, on a utilisé tel outil, telle piste, tel machin, ça nous a fait du bien. Puis par moments, ça ne marche plus. Voilà. Quand ça ne marche plus, eh ben, on ne peut pas relâcher. Par contre, on peut voir la partie qui ne relâche pas. Et c'est OK, quoi. C'est comme ça. C'est ce qui est dans l'instant. Est-ce que vous avez soit des questions ou des témoignages de... Oui, il y avait des questions. Alors, oui, bien sûr. Parce que vous parlez beaucoup de la douleur. Oui, parce que je suis dedans. Oui, oui. Non, mais après, des autres, mais par rapport aux médicaments, par exemple, qui peuvent aussi atténuer la douleur et avoir l'esprit peut-être un peu plus libre de pouvoir réfléchir. Aussi. Alors, ce qu'elle dit, c'est... oui, je parle de la douleur. Elle dit, oui, il y a des médicaments, évidemment. L'allopathie, les médicaments qui empêchent d'être dans des zones tellement... tellement paroxystiques que c'est des zones de débordement. Oui, effectivement. Bah, c'est, alors oui, tout à fait, je viens d'en parler. La première chose à faire, c'est d'essayer de se soigner, de commencer par l'allopathie, les trucs antidouleurs. Évidemment, on ne va pas essayer de se dire « Ah, j'ai mal, super d'aller mal, je vais trouver des pistes spirituelles. » Non, ça peut être un peu marteau. Hein. Non, effectivement, je prends tout ce que je peux pour avoir moins mal quand même, hein, à me taper dessus en plus. Alors, des fois, ça l'allège, des fois, ça ne le fait pas. Voilà. Bon. Souvent, ça marche, hein, l'allopathie. D'ailleurs, c'est bien, c'est super. Moi, je sais que je suis dans un truc où ça marche pas, des fois. Rien à faire. J'ai essayé plein de trucs allopathiques, ça marche pas. Donc voilà. C'est aussi la limite de l'allopathie. Bon, mais c'est effectivement, ça fait partie, évidemment, quand on a mal, on cherche des solutions. Et quand on cherche des solutions, il y en a qui sont à notre portée, donc on va pas se priver de ce qui est à notre portée, ça serait ridicule. Et ça m'a obligée aussi de lâcher. Tu vois, j'ai dû prendre des somnifères, j'avais pris de somnifères de ma vie, prendre des trucs genre l'exomie, j'avais pris ça de ma vie, tu vois, je me dis, oula, mais où je vais là? J'étais obligée de lâcher des tas de trucs. Mais dans des zones d'effondrement, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être intéressant, hein, dans des zones d'effondrement, ça peut obliger aussi à lâcher des représentations mentales, tu sais, où on est naturopathie, les trucs écologie, les trucs, voilà, bon, voilà. Mais il y a des moments où... Ça amène aussi à lâcher des tas de trucs sur lesquels on se rencontre sur d'autres facettes de nous, quoi. Et pourquoi pas, tu vois. Ce sont des espaces de transformation, hein, lâcher sur des croyances, des systèmes, des choses sur lesquelles on était vraiment accrochés, dur comme fer. On dit non, 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 jamais je passerai par là, c'est pas bien, tu vois. Voilà, il y a des choses qui peuvent se lâcher au travers de nos épreuves. Et je pense que tous ceux qui sont passés par des épreuves assez lourdes peuvent en témoigner. Ouais, tu veux dire quelque chose? Non,
Oui. Tu parlais tout à l'heure des attitudes de protection. Oui. Quand les choses ne conviennent pas, du style la fuite, du style être figé, la troisième. Les attitudes de protection, comment on se préserve, ouais. C'est soit se fuir, soit se figer, soit chercher à contrôler, maîtriser. Soit parfait, maîtriser. Ces attitudes de protection n'amènent pas, je dirais, ne nous font pas avancer. Ce qui fait avancer, c'est d'être des mots, oui. D'exprimer. Parce que si on n'exprime pas, on l'imprime dans le corps, oui. D'où maladie. Oui, ce que tu dis, alors, ce qu'elle dit, je reformule, hein, ce sont des stratégies qui ne fonctionnent pas, hein, tout à fait. Et ce qui va être très important, ce que tu dis, et je te le confirme, effectivement, c'est de mettre des mots, c'est d'exprimer, mettre des mots, nommer ce que tu traverses, ce que tu vis émotionnellement, tes pensées, etc. Exprimer, oui. Parce que, effectivement, ne pas dire imprime dans le corps, hein, c'est ce que tu dis. Donc les mots, le mal à dire, hein. mal à dire. Et effectivement, oui, c'est toujours important, je pense, quand on est très mal, j'avais dit l'évitement de rester tout seul dans son coin, ne pas parler, ça va imprimer encore plus fort. Et mettre des mots et être accueilli par une parole, être dans une parole qui est accueillie, déjà, ça soulage. Hein. Effectivement, ça résout pas tout, mais ça soulage. Après, il y a aussi, tu vois, l'excès, ce que je disais, attention à l'excès, c'est si tu passes ton temps à parler toujours de ce qui va mal, il y a une forme de plainte, il y a une forme de posture de victime qui fait que ça alourdit parce que tu tournes en boucle sur ton truc. Tu es hypnotisé par ce qui va mal, quoi, ce qui te fait mal, soit par la douleur morale, soit par tes problèmes, soit tes tracas, soit tes douleurs, etc. À un moment donné, ça tourne en boucle. Donc, c'est toujours la nuance. Oui, ok, exprimer, super, être accueilli, super. Mais l'autre a une autre vision de ce que nous on voit justement. Ah bah l'autre, oui, il peut te donner un retour. C'est tout le travail de thérapie aussi. Hein. L'autre va entendre tes mots et va te faire un feedback ou un retour, te faire réfléchir autrement, prendre une distance avec ce que tu dis. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des échanges avec des personnes qui ne sont pas dans ton truc jusqu'à un certain point. Ça dépend jusqu'où. Hein. C'est pour parler toute la journée de vos problèmes, à un moment donné, vous allez vous alourdir. Je sais que je fais ça des fois, donc ça ne m'arrange pas du tout. Moi, ce qui m'arrange des fois, c'est de me défocaliser. Donc, c'est de reprendre mes séances, c'est de faire du sport, faire des choses qui me détournent l'attention. Un peu comme on fait aux enfants, vous savez, on leur dit on va les distraire. On distrait parce qu'on ne met pas son attention sur le sujet et donc on passe à autre chose, quoi. Sinon, on est toujours sur le sujet, on tourne en boucle. C'est ce qu'on appelle les ruminations, d'ailleurs, les obsessions. Hein, ça devient obsessionnel. Voilà. Donc, c'est pas non plus, c'est pas non plus une bonne idée d'être obsédé par ce truc-là et de penser du matin au soir, la nuit, le jour, le matin. Donc, à un moment donné, c'est bien de défocaliser l'attention. Sinon, il y a une surfocalisation de l'attention sur le sujet et ça crée ces fameuses ruminations. Et alors, après, on est empêtré là-dedans et on contrôle plus les ruminations. Hein. C'est ce qu'on appelle l'obsessionnalité. Il y a des personnalités obsessionnelles, dont je fais partie, certainement il y en a d'autres dans la salle que je connais d'ailleurs. Je les ai repérées, il y en a que je connais. Et donc oui, c'est pas aidant pour vous. C'est pas aidant quand vous allez mal et quand vous êtes vraiment vulnérable, parce que les obsessionnels, comme on le dit, sont obsessifs. Donc ils tournent en boucle dans leur truc, ils ont du mal à lâcher la boucle mentale. Et donc on leur dit revenez au corps, Et il y a des personnes qui sont moins là-dedans, qui sont pas obsessionnelles, et c'est plus facile pour elles, quand elles vont mal, de traverser. Elles restent moins longtemps scotchées dans les ruminations, traversent plus dans le corps, et dans le corps qui a confiance, et qui sait se faire du bien, voilà. Des gens qui sont plus ancrés dans leur corps, hein, c'est plus aidant pour eux. C'est comme ça. On n'est pas égaux, on n'a pas le même parcours. On peut être obsessionnel et en plus évitant, c'est-à-dire s'enfermer dans ses propres ruminations, en parlant en personne. Oui, alors tout à fait. On peut être obsessionnel et évitant, c'est-à-dire et s'enfermer dans sa boucle. Oui, c'est pas bon. C'est pas de bonne humeur, pas vous aider ça. Pas trop longtemps. Il y a un moment donné où l'isolement est une ressource, et puis parce qu'on est bien avec soi. Puis il y a des moments, là, c'est too much, quoi. Là, on rentre dans une souffrance, on rentre dans le figement en fait. Hein. Donc oui, il faut savoir se faire aider, il faut savoir s'entourer de personnes amicales, soutenantes. Et l'amitié, c'est génial pour ça, quoi. C'est mieux que l'amour, l'amitié.
Ben là, alors, j'avais... Ah, c'est marrant parce que tu... Désintéressé, en fait. Alors, tu dis, elle dit, l'amitié, c'est de l'amour. Désintéressé. Plus fort que l'amour. J'avais envie, justement, j'hésitais entre le thème de cette conférence. Je vais parler de quoi ce soir, la première conférence? Est-ce que je vais mettre la vulnérabilité, la puissance de la vulnérabilité, ou l'amour-amitié? J'ai vraiment hésité, tu vois, sur ces deux thèmes. Bon, c'est probablement un thème que je mettrais vraiment au goût du jour. C'est vraiment, c'est pour moi, une richesse, hein, et quelque chose qui est presque, je dirais pas plus nourrissant, mais plus simple en fait. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu dans l'amitié, beaucoup moins, ça dépend des amitiés, mais en général on met moins d'enjeux dans l'amitié qu'on en met dans la relation amoureuse, tu vois. Et en plus ça réactive moins de blessures de l'enfance, puisqu'on a un compagnon, une compagne, et on y est attaché, et on va rejouer toutes nos histoires, nos blessures, et on ne veut pas le perdre. Alors que dans la relation amicale, bon, ben, on est moins dans « je vais le perdre, je vais pas le perdre, bon, si je le perds, je m'en sortirai quand même ». C'est moins, il y a moins d'enjeux comme ça. Et c'est pour ça que l'amitié désintéressée, notamment, et sans enjeu, avec moins d'enjeux, est quelque chose qui peut être extrêmement soutenant dans nos périodes de vulnérabilité, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver, voire étoffer notre réseau à ce moment-là, quand c'est possible. Et ce que je disais à ma patiente d'hier, c'est, on en a parlé, et elle me disait « mais... moi, je me sens seule parce que je ne me dévoile pas souvent. Hein ? Je ne me dévoile que très rarement. Je me dévoile à mon thérapeute, par exemple. Mais je ne me dévoile pas dans mes zones d'ombre. J'ai honte, quoi. Voilà, j'ai pas confiance, etc. » Mais c'est le moment, justement, quand on est vraiment vulnérable, d'oser dévoiler ces zones qu'on n'aime pas, quoi, de non-glorieux. Elle me disait par le glorieux. Je trouve ça marrant, le mot glorieux. Ce n'est pas glorieux, hein. C'est pas glorieux, mais c'est ce que c'est. Et c'est comme ça qu'on va rentrer en amitié, en fait, parce qu'on va rencontrer des personnes qui vont être touchées par notre dévoilement, par le balai-masque, et on ne joue plus des rôles à ce moment-là. Les gens sont plus touchés, en fait, quand on est comme ça, que quand on porte des masques, hein. Voilà, moi c'est mon expérience, probablement c'est aussi la vôtre. C'est dans l'authenticité, dans la nudité, quand on lâche les histoires de « je dois jouer des rôles », qu'on est le plus aimé, en fait. Et on a tous notre aspiration la plus profonde, qui est une aspiration d'être aimé inconditionnellement, je vous rappelle. Hein. Parce que je la faisais descendre, je lui dis, mais descends au niveau de ton cœur. Qu'est-ce qu'est ton aspiration? Bah ouais, mais moi j'aimerais être aimée. C'est la petite fille qui parle. J'aimerais vraiment être aimée. Pas intelligente, pas belle, pas ceci, pas cela, pas parfaite, pas machin. Bah oui, bah t'es... Oui. C'est pas un conte de fées. C'est, on aspire à être aimée... dans notre naturalité, c'est-à-dire dans notre dépouillement, dans notre, pas dans notre jeu de la personnalité, mais dans notre essence, dans notre naturalité, dans l'innocence de l'enfant qu'on a été avant dressage. Hein ? Avant qu'on nous ait dit « on t'aime parce que tu as des bonnes notes, on t'aime parce que tu fais bien le ménage, on t'aime parce que je sais pas quoi, on t'aime parce que tu fais bien la musique, voilà, parce qu'on est fiers de toi, ceci, voilà. » Bon, avant ça. Donc, oui, mais attends. Alors attends, tu dis on peut être aimé pour ce qu'on est, avec nos défauts et nos qualités, sans jugement. C'est ça notre aspiration la plus profonde. C'est stable, c'est une relation stable. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on cherche, en fait. C'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Et des fois voilà. C'est plus facile en amitié que, tu vois, avec le compagnon, accepter l'autre tel qu'il est tout le temps. Je l'avais souvent dit, c'est plus compliqué, hein. Parce que des fois on n'y arrive pas, tout simplement. Et dans l'amitié aussi, il y a ce même chemin aussi qu'il y a dans l'amour. Il y a des amis avec qui on reste superficiel, c'est pas forcément nourrissant. Et des épreuves permettent justement de revenir peut-être à des amitiés plus dénudées, je sais pas. Donc tu disais, dans l'amitié, il y a des amitiés plus superficielles et des amitiés qui sont plus, comment tu dirais, profondes, c'est oui, ça plus dénudées. Plus dénudées. Plus profonde, oui. Et je pense que c'est quand, justement, tu dévoiles tout, quand tu oses, quand vous osez tout dévoiler de vous, quand vous arrêtez d'avoir honte de certaines parties de vous, que, justement, il y a ce lien d'amitié qui se tisse, qui est un lien de profondeur, en fait, pas un lien superficiel auquel vous aspirez. Et ça crée une densité du lien, et puis un soulagement. Ah, on peut m'aimer vraiment... comme moi, je m'aime pas. À l'endroit où moi, je m'aime pas, tu vois. Ah, mais quelqu'un peut m'aimer quand même. Moi, je m'aime. C'est incroyable, ça.
Et ça, c'est une grande surprise aussi, qu'on peut vous aimer vraiment là où vous êtes. Parce que le plus grand juge, c'est nous-mêmes. Hein. Avant d'être aimé des autres, c'est d'abord, est-ce que moi, je m'aime? Et en général, toutes ces épreuves comme ça qu'on traverse, c'est je me rends compte que je ne m'aime pas, en fait. Pas beaucoup. Et ça, c'est le plus grand travail, je dirais, de notre vie, c'est de nous aimer à l'endroit où on ne s'aime pas. C'est extrêmement compliqué, je dis ça comme ça, ça a l'air simple, machin, c'est pas simple du tout. Hein. C'est pas simple, hein, l'histoire du miroir, je m'en garde. Hein. Ben ouais. Regardez tous les moments de votre vie, hein, dans la journée, dans votre quotidien, tous les moments où vous jugez, où vous aimez pas, où vous dites mais je fais pas comme il faut, c'est pas comme ça que je devrais faire, et comment on se tape dessus, quoi. On se déguise pour se faire aimer aussi. Ben, on se déguise, on porte des masques. Là, pour être masqué, on est masqué. Ça, pour le coup. Là, ben, c'est notre affaire. Hein. Mais bon, du coup, oui, c'est pas le masqué. Et en même temps, voilà. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit, que dans la relation amicale, on a moins peur de perdre la relation que dans la relation amoureuse. Oui, donc je disais que dans la relation amicale, on a moins peur de perdre que dans la relation amoureuse. Alors que je connais une personne oui. qui a plus peur de perdre ses relations amicales que sa relation amicale. Oui, il y a des personnes qui ont plus peur de perdre leurs amis parce qu'elles mettent plus. Parce qu'il y a une croyance sous-jacente que mes amis sont plus là pour moi que mon compagnon. Tu vois ? Mon compagnon n'est pas à la hauteur de mes attentes. On ne peut pas compter dessus en fait. Voilà. Par contre, l'amitié, c'est véritable, c'est vrai, on peut compter dessus. Donc ça, c'est des systèmes de croyances qui sont mis en place ou pas. Hein. Il y a des personnes qui, au contraire, vont dire « c'est mon compagnon, celui sur qui je peux compter dessus quand je vais au plus mal, qui va m'aimer, etc. » Et il y en a d'autres qui se disent « non, j'y crois pas du tout. » Il y a la pluralité, je peux avoir plusieurs amis, mais dans mon mode de fonctionnement, je ne veux pas avoir plusieurs amoureux. Donc si je perds mon amoureux, il me reste un ami. Ah oui, il y en a qui sont dans la pluralité, oui, je vais pouvoir, si je perds mon amoureux, il y a toujours mes amis. Bah oui, mais pourquoi pas, effectivement. Après, la relation est différente, elle n'est pas comparable. Non, c'est pas les mêmes relations, on s'implique pas de la même manière très souvent dans la relation amoureuse qu'amicale, et encore, il y a des gens qui s'impliquent beaucoup dans l'amitié, c'est comme des... C'est parce qu'ils ont cette croyance que l'amitié, c'est plus fort que tout, c'est des valeurs comme ça, hein. Voilà. Dans l'amitié, il y a plusieurs acteurs aussi. Oui. Alors que souvent, dans l'amour, il n'y a qu'un seul acteur. C'est ça, dans l'amitié, on peut avoir... Ou alors, sauf si vous êtes dans la singularité, vous avez un ami très très cher, oui. Voilà, et puis voilà, sur lequel vous avez investi. C'est votre niveau d'investissement, en fait. Hein. C'est-à-dire, je crois que cette personne va me soutenir, qu'elle est là pour toujours. Ça peut être donc le compagnon, mais ça peut être l'ami. C'est comment je l'investis. Ouais. J'ai une question. Est-ce que vous avez quelques pistes dans une relation amicale, quand on est confronté à quelqu'un qui est toujours dans la plainte, alors on parle des moments difficiles dans la vie, il faut être dans la plainte, dans la difficulté de mois, trois mois, six mois, mais quand c'est vraiment quelque chose de très chronique, j'ai l'impression que des fois ça peut affecter sa propre énergie. Oui, je peux en parler. La chose, parce qu'être là pour l'autre, c'est quand même important, être là, dans la compassion, c'est important. Et en même temps, ne pas se sentir aussi déstabilisé. Oui, donc la question, c'est j'ai un ami qui est d'être là quand il va mal, et comme il se plaint, il a l'impression qu'il a une posture plutôt de victime, c'est ça, qu'il se plaint souvent. Donc je me sens déstabilisée, je ne sais pas à quoi faire, comment me positionner, c'est ça la question, hein, à peu près. Donc si tu es positionné de manière scénarique en mode sauveur, tu vas avoir tendance à l'écouter beaucoup et à vouloir lui donner des conseils. Parce qu'il y a une envie de contribuer, mais il y a envie de sauver, il y a envie de faire quelque chose pour lui, ou de l'aider à s'en sortir, de sortir de la tête de l'eau, etc. En général, la personne, elle te fait « oui mais non, oui mais, j'ai essayé ça, oui mais ça ». Tu vois, c'est le jeu psychologique sauveur-victime. Et ça passe en persécuteur, parce que t'en vois péter en fait, elle te dit « oui mais non ». Du coup, bon, tous tes conseils. Donc c'est à toi de regarder jusqu'où tu es responsable de ton sauvetage et jusqu'où tu lui demandes, tu peux lui demander quand tu dis ça, enfin quand tu te plains, tu ne vas pas dire tu te plains, mais quand tu énonces ça, qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu vois ? En mode adulte, quoi, hein ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Bon, est-ce que tu attends un conseil ? Est-ce que tu attends, je sais pas, que je te donne mon avis ? C'est un témoignage, une expérience, est-ce que tu attends quelque chose de moi? Et des fois, la personne va dire, non, je veux juste que tu m'écoutes, je veux juste une présence, en fait. Tu vois,
Et ça peut être juste ta présence qui suffit. Ou parfois, elle est dans son jeu de victime. Donc peut-être tu peux la confronter en lui disant « Bon, ok, j'entends que tu vas pas bien. Et toi, quels sont tes moyens de t'en sortir? Comment tu fais pour aller mieux ?» Tu vois, pour la remettre sur elle. Pas sur toi, tu dois faire quelque chose pour elle. Mais il faut juste lui demander, mais tu attends quoi de moi dans cette relation? C'est ce qu'on fait en thérapie. Hein. Toutes les séances démarrent par un contrat de thérapie qui est bon, ok, vous m'appelez, mais vous attendez quoi de cette séance? Vous attendez quoi de moi? Sinon, on part dans tout et n'importe quoi. Là, on est pas rendu, tu vois. Et là, on se laisse embarquer. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de voir, mais ok, on est là ensemble pour un échange. Mais, au fond, qu'est-ce que je peux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Et est-ce que tu sais ce que tu veux? Parce que souvent la personne ne sait même pas ce qu'elle veut. Elle va mal, elle veut s'en sortir évidemment. Quand on va mal, on ne veut pas rester dans le mal-être, hein. on veut trouver une solution, hein. Très souvent c'est notre esprit de résolution de problème, hein. Voilà. Et très souvent on ne sait pas comment s'y prendre, donc on appelle à l'aide comme ça. Ce n'est pas toujours la meilleure solution, parce que ça évite de trouver nos appuis intérieurs. Et quand je parlais de, tu vois, de notre esprit mental là, qui veut toujours chercher à résoudre des problèmes, hein, chercher des solutions. Je vous renvoie, parce que j'ai déjà dit, mais je leur dis, Krishnamurti, dans une de ses conférences sur le bonheur, la dernière, je crois, il y avait beaucoup de monde, puis il avait dit une phrase. Il avait dit qu'une phrase. Il avait dit, voilà, en résumé, le bonheur, c'est ne pas faire problème de ce qui est. Voilà. Et tout compris. Donc notre esprit cherche toujours à trouver des solutions, et ce qui est légitime en même temps, parce que on ne veut pas rester dans la mouise, quoi, hein. On n'a pas envie de rester dans l'inconfort, voilà. Et on a envie de s'en sortir. Et en même temps, des fois, c'est c'est est-ce que je peux voir celui qui résiste, qui cherche une solution, qui ne trouve pas, et est-ce que je fais problème ou pas avec ça? Ça peut être une aide de ne pas faire problème. Et des fois, on n'arrive pas, donc on voit celle qui n'arrive pas à ne pas faire problème. Et c'est ce qui est. Et c'est comme ça. Et des fois, on y arrive. Des fois, c'est ce qu'on dit, hein. Regardez celui qui résiste à lâcher prise, quoi. Et ben, des fois, vous ne lâchez pas. Quoi. Et des fois, on lâche. Des fois, on ne lâche pas. Et tout va, tout bien. J'ai pas des conseils miracles à vous donner, puisque, tu vois, j'ai donné quelques idées. Et il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle à la vulnérabilité, simplement en faire son éloge, parce que c'est vrai que dans ce dévoilement de l'être, dans cette nudité, dans ce dépouillement, je pense qu'on trouve une force à être avec les autres dans cette non-apparence. J'arrête de vouloir apparaître sous une certaine forme. Donc ça, je le dis, je le redis, c'est la puissance de la vulnérabilité. En tout cas, pour moi, c'est une force. Et ça nous touche, ça nous émeut. Et c'est vrai qu'on est touché par des gens qui pleurent. On n'est pas tellement touché par des gens qui sont dans des modes robots, tu vois. Voilà. Donc, on est touché par la fragilité qui n'est pas une faiblesse, hein, qui est la fragilité de l'être. Ah, c'est l'heure. On me dit toujours, on me rappelle souvent à l'ordre que c'est l'heure. Et donc, quand c'est l'heure, je dois m'arrêter. Donc, merci à vous d'avoir participé. Et puis, voilà. Bien, vous me retrouverez le mois prochain sur un autre thème. Je ne sais pas encore lequel, parce qu'en ce moment, surgit au fur et à mesure les thèmes. Et puis, vous pouvez aller sur mon site. Je vais aussi donner de temps en temps des stages sur la relation. Voilà. Ou sur ma chaîne YouTube, vous me retrouvez. Vous faites Véronique Cohn, mon nom, et vous me retrouvez sur ma chaîne, sur d'autres thématiques. Voilà, merci à vous. Puis, écoutez, bonne continuation. Je vous souhaite vraiment le meilleur aussi quand vous êtes dans des zones de vulnérabilité, quand vous les traversez aussi, d'être en résonance certainement avec moi. Et de pouvoir garder le sourire et le moral et la confiance. Voilà. Et puis, à tout bientôt. C'est en octobre, je ne sais plus trop, c'est vers le 15 octobre, comme ça. Je le mettrai de toute façon sur mon site. Et si vous êtes abonné à ma newsletter, je vous envoie toujours la date. Hein. Voilà. Merci bien. Merci. Merci.